Honorable Durand, pour un minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Juncker, j'aimerais tellement vous croire lorsque vous dites que vous avez l'Europe sociale au cœur et que vous voulez effectivement qu'elle devienne une priorité. Mais on est tous d'accord ici, et vous l'aviez dit d'ailleurs en prenant vos fonctions en disant que c'était peut-être la commission de la dernière chance. Donc on est tous conscients qu'il y a un problème majeur avec l'Union européenne actuellement. Et sans faire de procès d'intention, comment voulez-vous que nous puissions étudier des scénarios de solutions alors que nous n'avons pas partagé un diagnostic commun sur les raisons pour lesquelles l'Union européenne est en crise et en difficulté? Alors, je n'entrerai pas dans le détail de votre dernier scénario, en fait celui qui manifestement a votre préférence, simplement c'est le même que le premier, sauf que, allez, on enlève les chaussons et puis on met des baskets, mais on va toujours au même endroit et toujours sur le même chemin. Monsieur Juncker, nous devons, comme Monsieur Verhofstadt l'a clairement dit, nous devons nous poser la question des blocages dans cette Europe et pour pouvoir effectivement avancer, quelles sont les réformes que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir transformer cette Union européenne.